D'accord, il y a personne qui conduit le mort, hein. Il défausse nos murs, quoi. Noir comme ça, toi du manoir brillant. Ouais, je trompe, faut se m'en passer. What? Vas-y, passe. Avant. Voilà, je vais te niquer. Ça va. Que ta voiture, hein. Gros clap con en moto, faut mettre tes clés à prendre le code de la route et lui dire que pendant un trajet d'enterrement, on fait pas de klaxon et on fait pas de roue. C'est dans tout le monde. Ah ouais, faut lui apprendre à pas dépasser. Non, mais moi je suis nouveau en ville, moi j'ai pas le temps. Ouais, bah t'as pas le temps, bah si t'as pas le temps, tu viens pas. Ouais. Hé, le Schtroumpf là, c'est toi qui étais sur la moto. Non, c'est lui avec la bagnole et qu'il faut ça à tout le monde.
Il y a un gars sur la moto, il faisait n'importe quoi aussi. Bah bref, je crois qu'il faut y aller. Go, on y va, venez. Oh putain, ah tu vois, c'est pas trop long. Papy, elle va toujours pas ta hanche? T'as besoin d'une nouvelle? Y'a pas de papy ici. Ah mais... T'as besoin d'une nouvelle, réponds juste. Bon, donc comment vous commencez? Non, reste ensemble, les gars. Bon, je vais procéder au discours. Alors, John Wilson, comme vous pouvez le savoir, ce qui est... l'ancien président de cette ville, John Wilson, ou plutôt, comme vous ne le connaissiez pas, Tony Visini. Parce que sachez bien un truc, cette fois-ci, ça va être la révélation de ce... lors de son enterrement. Et John Wilson n'était pas Wilson, mais plutôt un Visini. Donc, au moins maintenant, les choses sont dites. Et que... pas trop choqué les gars. Bon. Alors, Ian Wilson, on va pas se mentir, il était vraiment très très con, on va dire un peu comme toute sa famille. Puis, il a pas fait le meilleur de président, mais bon, ça restera toujours un imbécile qu'on a tous béni. Amen. Quelqu'un veut dire un truc Si Vito parle, tu voulais dire un truc. Là, j'ai fait. Repose en paix. Oui, repose en paix. Bon, Tony Visini, pas un excellent président, mais un bon membre de la famille. On en a vécu des choses. On a vécu pas mal de choses ensemble. Des fusillades, des trafics, des voitures qui explosent. Ah, je t'aimais comme mon frère. Malheureusement,
Je t'ai détourné un peu du droit chemin et quitté la famille. Et je sais que tu m'en voudras pas de t'avoir mis une balle dans la tête. Repose en paix, mon frère. Bon, t'es de repos en paix. Allez les amis, je crois que c'est bon, le toit est rebauché. Repose en paix, monsieur mes amis. Repose en paix. Pas mon frère. À trois ensemble. C'est bon, calme-toi. Bon, je vous remercie à tous d'être venus à son enterrement. Même si t'es pas un grand homme qui a pas marqué la ville. Moi, ça fait plaisir que certaines personnes sont venues. Et que on est très touchés. Bon, on va clôturer l'enterrement et je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Adieu, John. Bonne soirée. Vas-y, repose en paix, frère. Repose en paix. Elles ont trouvé zone, on va. Il a au moins réussi quelque chose. Il a battu Karim aux élections présidentielles. Allez mon frère, reviens. Où tu vas là? Salut les gars. Ouais, quoi? Ça va la streetzer? La street, vous êtes pas du tout des pays comme ça vous? Vous êtes France, bah, France il Bourgogne est bon. Et tout. Bourgogne.
Franchement, les gars, si vous pourrez le tuer pour moi, ça serait bien. Ferme un peu ta gueule, merci. Lui ? Tu es lui ? Tu es qui ? Bon, arrêtez de me suivre, hein, s'il vous plaît. Ferme ta gueule, ça fait les vacances. Voilà. Oh non, s'il vous plaît. Oh. Est-ce que ça veut dire ? Non, mon frère ! Ta gueule, sale pédé. Écartez-vous au moins pour que je puisse le réanimer. Laisse-le crever comme un chien. Ok. Oh, anime-moi, gros. Oh, le fils de pute de jamais. Aucun respect ici, hein. Je tiens à dire que je t'aimais pas. Au revoir. Très cher. Je sais pas, mais t'es dans un enterrement et tu viens faire le mal comme ça, t'es vraiment hâté. Aïe aïe. Calme, Vito, laisse-le, ça me pote, laisse que t'inquiète. Ah, je peux plus. Allez, c'est bon. Mets-lui de ses soins, mets-lui sa putain de facture à cet enculé, et après c'est bon. C'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. J'ai mal à la tête. Ah, tu as mal à la tête. Il a pas payé la facture. C'est pas grave, je viens de te payer le double, t'inquiète pas. Allez, embarque-moi ce gros connard. Nous aussi, on a mal à la tête, on va pas entendre. C'est qui, vous ? Aïe, aïe. Toujours des foutures de merde. Donc, l'embarquer, c'est quand, quoi ? Ok, c'est des menottes.